Allez, on va risquer de se faire le boss en O8. Alors, on libère un esprit vendeur, j'incarne un ami. Ok. Ah, la tentacule, ça c'est un bon sort par contre. Encore une fois, pour ceux qui savent pas, vous pouvez cancel la dernière attaque du combo. Et si vous avez le rythme, bah, ça éclate tout. Regarde-moi avec tes yeux de chat. Vous voyez, regardez quand vous cancelez, ça fait ça. Bah ouais, c'est marqué comme s'il y avait un bonus, mais quand je clique, ça veut pas. Donc c'est bizarre. Ah, mais après, il y en a beaucoup qui étaient malades. Du coup, c'est possible qu'ils étaient malades en même temps. Dégâts d'armes. J'ai un build pour les sorts et il me donne des dégâts d'armes, ça me fait chier. Comme il n'y a pas de facteur de timing, révéler la map, c'est pas... ultra important. Le mapping c'est bien dans Isaac parce que bah il y a des trucs à timer, du coup t'es obligé d'aller vite. Mais là comme c'est pas le cas. Alors voyons voir. On longe la droite. Ah non, il y a un follower, on va aller à gauche. Oh. Je vais bouffer le chat. Habituellement, on n'est pas casse-couille quand je stream. Mais là, vu que je guette la sonnerie de l'interphone, j'ai mon casque à moitié mis. Du coup, pour elle, c'est le signe. Non, elle est pas vieille, elle a 4 ans. Ouh, ça c'est cool. Je reviens. Ah, le problème, c'est que je peux pas l'enfermer vu que j'attends le livreur. Tu vas être casse-couille, hein.
Pose-toi. Allez. Il n'y a pas de miaou. Oui, il n'y a pas de miaou. Allez, pose-toi. Cette bête. Oui. Elle a décidé d'être casse-couille. Et habituellement elle est sage. Ah ça y est, elle allait se foutre dans son spot achat. Ah putain, ces bruits de travaux sont en train de me rendre ouf. Ça finira jamais en fait. Hein. Je sais pas, c'est soit les ouvriers ils sont incompétents. Hein. Soit ils sont bien en train d'arnaquer la ville et à chaque fois ils refont des travaux. Hein. Ah, ça y est, il y a des gens qui commencent à être malades. Peut-être prendre des pieds de glace en vrai. On va réessayer le boss en Noit. Putain, je vais être obligé d'aller fermer la fenêtre. Il a plu hier, il fait frais. Pour une fois, je peux laisser la fenêtre ouverte. Il faut que j'aille la fermer. Aux heures travaux de merde. Ouais, mais moi, comme je suis obligé d'enlever un écouteur du casque pour voir si ça sonne à l'interphone, bah, malheureusement, je l'entends beaucoup trop fort. Et ça me perce les tympans. Ils sont littéralement en train de couper de l'acier sous ma fenêtre. Ça me saoule, ça me saoule. Bon. Allez, on tente le Noit. Bon, encore une fois, à midi, c'est pas une bonne idée, hein. Au vu de mon état... Skillesque. Il faut que je me rappelle du pattern de celui-là parce que c'est le premier que j'ai fait. Et du coup, je pense que c'est lui qu'on va taffer le premier pour essayer de le faire en Noit. Mais j'ai pas vraiment un bon build du coup. Ils sont vraiment cool les monstres. Ils sont vraiment cool. Ça se fera voir par les ZAD. Ouf. 3. Les ZAD. Non, je me suis fait toucher par un ZAD. Oh. Ah, cette espèce de petit délai quand ça arrête le temps, mais l'animation t'immobilise, du coup tu prends quand même une frame, quoi. Bon, moi, ça permettra de taffer le pattern. Putain, je me suis touché par un ad, ça fait chier.
Mais celui-là, il est faisable. Celui-là, il est faisable en 8. Mais faudrait avoir un build un peu plus solide. T'as une arme divine, là, comme ça t'éclate bien les trucs. Bravo, ours. On va te soigner, parce que là, elle était en mode Clodo des bois, là. Allez, vas-y. On a tellement de gens malades. Ah, mais on a peut-être plus assez de maisons. C'est vrai que j'ai ajouté pas mal de gens, on a peut-être plus assez de maisons. Ah, on a plus assez de maisons, putain, on est 29. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu besoin de construire des nouvelles baraques. C'est pour ça que Ours est en mode Clodo des bois. Allez, construisons des maisons. On va pouvoir dépenser nos ressources. Hop, du coup... Salut la belette! Ah, voilà! C'est le lit pour tout le monde. Ah! Nuit bleue à level up. Zéphirion, qu'est-ce que tu te fais à te balader? Zéphirion, tu es un démon. Je peux pas te redémoner? Pourquoi? Ah, t'es peut-être malade, connerie. Pourtant, tout à l'heure, t'étais fatigué et j'ai pu te redémonifier. Donc là, tu bosses? Non, tout à l'heure, il était déjà fatigué. Salut, Protec! Merci pour le follow. C'est gentil, merci à toi. Tout à l'heure, il était déjà fatigué et je l'ai quand même redémonifié. Allez, Zéphy, on se réveille un petit peu. On se secoue. Bravo, Zéphy. Je vois qu'on tire au flanc. J'espère que t'es fier de toi. J'ai dit que j'allais attendre pour les toilettes pour voir. Non, merde. Ah, j'inverse. Bon app, Paco. Ah, Zéphy est devenu pote avec ton lune dure. Alors, amélioration des maisons. Tac, 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 tac. Et ensuite, on fera... Des belles baraques. Des pâtes, Paco, des pâtes, fais des pâtes. Alors, est-ce qu'on peut acheter un nouveau copain? Mais t'es là, tu fais ta victime et tu vas pas redevenir un démon. Tu fais aucun effort. Hop. Oh genre j'ai plus assez de caca pour faire des... Pour faire des maisons. Est-ce que ce monde est sérieux? Tac. Il se passe.
Ah. Oh, Zephy est mort. Quel dommage. Eh ben c'est parti, bouffe de Zephy pour tout le monde. Ça s'appelle Soro qui régale. C'est vrai que Telos est vieux, faut qu'on se débarrasse de Telos. Mais voyons, Zephy, tu sais très bien, tu ne trouveras jamais le repos dans la mort. Tu seras ressuscité encore et encore et encore. Ah, c'est l'heure du duel. Un duel déchirant. Au côté droit, Telos, le percepteur des dieux. Pourquoi? Il y a un bug, je peux plus rien valider depuis tout à l'heure. Ça arrive de temps en temps. On va redémarrer. Merde, j'ai quitté le jeu plutôt que de retourner au menu. Quel con! Ah bah, il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour de 500 MO pour le jeu. Tout était calculé, tout était calculé. On va faire affronter Telos contre Lidou. Combat contre un marié et sa femme. J'espère qu'il va se faire éclater la bouche. Et du coup, on est à 23 heures de jeu, là. Alors, est-ce qu'on peut ? T'as lancé la prédiction ici du coup ou faut que je le fasse moi? Je crois que tu fais slash prédiction, tu peux la faire toi. Alors, ouais c'est bien ça, il y avait un bug. Contre sa chère femme. Parce que Telos et Lidou sont vraiment en couple. Hein. Du coup, ça va être le combat de l'année. Lidou va pouvoir défoncer son mari. Mais en tout bien tout honneur. Bah dis-moi quand c'est bon et je lance. Est-ce que la prédiction est clôturée ? Je vois pas si c'est les si les modos lancent une prédiction. Ah non, je le vois pas parce que je suis pas sur le chat Ophi, c'est pour ça. Ah non, c'est parce que je suis pas sur le... Il me l'affiche pas, Chatty. Faudrait que je regarde s'il y a des mises à jour pour le voir. Faudrait que je vois. Hop. C'est bon? Prédiction finie? Attention. Fight! En plus, ils sont tous les deux sous champi hallucinogène, ils sont totalement défoncés. Et c'est la victoire de Lidou! Adieu, Telos, tu es devenu vieux et donc inutile. Achève le Lidou. Faites un clip, comme ça je le renverrai. Euh,
Du coup, bah, il va falloir qu'on aille chercher plus d'os. Hein. C'est un peu la Bérésina des eaux. Mais je pense que c'est pour ça que je pouvais pas envoyer des gens en mission tout à l'heure. C'est parce que ça déconne ces grands morts. Ah ouais, le bon jackpot, quoi. Ah putain. T'avais parié beaucoup? Putain, t'as gagné 15K d'un coup. Nice. Alors, ours, tu as 94% de chance de nous ramener des os en 2 jours. Tu vas aller bosser un peu, hein, feignant. T'es là, là, tu glandes, tu cherches du miel. On n'est pas chez Winnie l'ourson, ici. Kissy, tu as 94% de chance de nous ramener des os. Je compte sur toi. Et ensuite, je pense qu'on va envoyer Lidou, parce que Lidou, elle est douée pour ramasser les os. Ah ouais! Eh ben, GG. La bonne moula. Mais je vous ai dit, là, je pense que d'ici début septembre, j'essaierai de bosser, voir ce qu'on peut faire des points de chaîne, ce qu'on peut faire comme truc rigolo. J'essaierai de bidouiller un petit peu tout ça. Bah, elle vient de briser les os de son mari aussi, son type de personnage, c'est un petit toutou. D'ailleurs, les petits toutous, c'est les seuls où tu peux faire patte-patte sur leur tête. Bon, les toilettes sont bientôt toutes pleines, là. C'est parti. Ou alors, faut vraiment que c'est chié partout. Pour avoir le skin du caca. Est-ce que je peux casser un truc? On va faire des tests, on va faire des tests. C'est ça qu'il y a des skins sur Twitch que je peux récupérer aussi. Alors, c'est parti. Qui veut rejoindre le culte? N'hésitez pas. Viendez. Bien sûr, si personne ne le désire, je le mettrai moi-même. Eh bien, ce sera mon choix. Nous allons donc faire... Urbain. Une petite girafe. Oh, mais c'est un skin de base. Mais je regarde pas. Maintenant. Va prier, Urbain. Un level up. Du coup. Ah oui, la barre de Twitch est pleine, en effet. Ah non, même pas, il en manque un encore. N'hésitez pas à dépenser vos points. Après, c'est toutes les 3 minutes, je crois. C'est toutes 3 minutes. Ah, on a des level up. Viran a level up. Faire monter les vieux au paradis, ça rapporte énormément d'XP pour les légendes du culte. Il n'y a plus de graines. Lasmo nous donne une quête. Nous avons réussi à mettre de côté quelques pièces. Nous aimerions vous offrir les offrir en signe de gratitude. Bah ouais, pourquoi? Ah, allez. Un skin, un skin, un skin. Arrête-toi sur le Togo Twitch. Bon, nouveau copain. Au revoir, nouveau copain, ça me va. Alors, bravo Kenji! La diplomatie! Alors. C'est dommage qu'ils aient pas mis des. Pour les trucs Twitch, que ce soit des gens un peu plus boostés. Hop. Si quelqu'un veut rejoindre, je vais attendre 10 secondes. S'il y a personne, je le nommerai moi-même. Qui c'est qu'on peut faire d'autre? Ah bah je sais! Eh bien, il n'y a personne.
C'est parti pour raid. Arrow, j'ai déjà fait. Je vais faire un semai après. Le prochain, ce sera semai. Par contre, faut que je regarde. Parce que niveau maison, on va commencer à être ric-rac en vrai. On est à combien là? Non, en vrai, on a encore un peu. Pipipam. Papipam. Bon, allons en mission. D'abord, faire à manger. Ensuite, la mission. Essayons encore de... J'essaie de tourner là. Voir si la nuit se passe quelque chose. Ah non, une fois que c'est validé, c'est validé. Y a pas un escargot sur un coin. On peut faire des dons de carapace d'escargot. Allez, on va essayer de refaire le premier boss en Noit. Ce serait cool que ça passe, mais c'est vraiment chaud. Hein. Mais... Après, ouais, l'un des défauts que je trouverais au jeu, c'est... la patte artistique, etc. est super cool. Par contre, la caméra est inclinée d'une manière où la visibilité, parfois, c'est un peu dur. J'ai pas fait gaffe. Après, les ONG+, sera intéressant, mais ça me ferait chier de perdre mes followers, en vrai. On s'y attache à ces petites bêtes. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que techniquement, après, on pourrait remettre... les gens pourraient repostuler, plutôt. Bon, après, c'est comme tout, hein. Si c'est faire, c'est pas souvent le bon plan. Même si, bon, le tact, ça aide quand même un peu. Non. Faut que je récupère les plantes. Parce que c'est vrai que j'y pense pas assez. Je me ferais bien un petit champ de plantes comme ça pour les gens malades, mais... Pff, trop de champs, ça devient la galère à gérer. Ouh. Oh, pff, sérieux? En vrai, je pourrais prendre ça et attendre que ce soit la nuit pour attaquer le boss. Ce serait pas déconnant. Après, je suis toujours en build maléfice, là. Il me faudra des trucs pour les maléfices. À voir. J'ai eu deux cartes brillantes là. Une carte. Alors, où qu'on va? Ah, il y a un follower. Mais les points d'interrogation m'intriguent. Oh! Je le connais pas, lui. Eh, j'ai entendu parler de toi. Tu as fondé un culte, pas vrai? Si tu me laisses quelques pièces, je pourrais augmenter la fidélité de tes adeptes. Bon bah Chine, t'as pris un level. Et voilà, comme quoi l'argent fait bien le bonheur. Non, on peut pas le latter.
Mais je l'avais jamais vu, lui, pour le coup. C'est vrai que je suis pas allé sur beaucoup de points d'interrogation, du coup, il y a peut-être moyen de trouver des trucs que j'ai pas encore vus. Oh, les pognons. Même si l'argent... Bah, c'est lui, hein. Mais bon, à la base, t'es pas censé récupérer du pognon, quoi. C'est juste parce que j'ai tout à fond. Il faudrait un totem pour affronter le boss, il n'y en a pas. Ah, il y en a un. Mais en vrai, il me faudrait quand même... quelque chose de plus intéressant comme arme et comme sort, parce que là... ça va être rude. En vrai, les griffes me tendent bien. Surtout que ça peut faire un coup critique. Du coup, si le peu de fois où j'attaque le boss, je lui mets un crit, ce serait cool. Mais il me faudrait vraiment un nouveau sort. Ce sort-là, il est pas worth. Ça va être tendu du cul. Allez, s'il vous plaît, un bon truc. Eh ben, que de la marde. Ouais, bah, je vais tenter de le faire, mais... ouais, je pense pas qu'avec ce build-là, ça passera. Oui, Hiro, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pas faux, pas faux, pas faux. On va attendre la nuit, en effet. En effet. J'aurais aimé avoir un très bon sort, quoi. La nuit, ça dure vraiment très peu de temps. Faut que j'arrive à le dérailler assez fort. Hein. Je sais pas si le coup critique sur l'arme, il revient après un certain temps, ou s'il revient après un certain nombre de coups. Là, j'ai le crit. Si on prend les 30% de dégâts... Ah bah bravo, Adi. Bon, après, techniquement, c'était pas attendre. Ah, après, c'est comme tout, hein. Le problème, si tu te laisses trop marcher dessus, après, les gens, ils prennent l'habitude, hein. Malheureusement. Ah, il y a tout le monde qui tombe malade. C'est peut-être parce qu'il y a du caca partout. Ça flotte. Allez, c'est la nuit. Allez, espérons que ce sera suffisant. Allez. J'ai gridé. Oh, je suis un connard. Je pensais avoir le temps de voir son move. Et j'ai gridé, j'ai bourré trop. Je pensais qu'il allait tout me faire sauf le coup de tête. Et le coup de tête, c'est le seul truc qui a pas de mouvement pour esquiver, quoi. Ah, dommage, on y était presque.
Ça viendra. Je suis un homme patient. Un nouveau copain. Je vais prendre une pasta box. J'avoue. Oh, cette hécatombe abusée. Allez, des nouveaux copains, viens avec nous. Quelqu'un veut nous rejoindre? Ou je crée mon mien? À vous de voir, les amis. Oh, si, les épinards avec un peu de crème, c'est pas mauvais. C'est pas le légume que je déteste le plus. Alors, Samy. On lui met quoi comme skin à Samy? Le Fennec? Il est où le Fennec? Là. On le met de quelle couleur? On peut mettre comme ça si on n'est pas coiffé. Hein. Rose. C'est celui-là, le rose? Eh ben, en avant! Oh, Tolune Dure est devenu vieux. Nous allons devoir le sacrifier. Personne n'est revenu de mission encore. Bientôt. Bon, j'espérais qu'au bout d'un moment, c'est ça qui nous donnerait les skins, mais j'ai pas l'impression que le fait de laisser les gens chier partout, ça fonctionne. Encore une fois, me spoilez pas. Ah, je reviens.
Le plus dur. Ah, ça refrappe, je reviens. Je vais mourir. Ce moment où le livreur arrive, que tu dois courir dans l'appart pour attraper le chat, pour pas qu'elle court dans l'allée quand t'ouvres la porte. Que le livreur part, revient pour te faire signer. Du coup, faut que tu re-attrapes le chat. Il repart, il revient, il se rend compte qu'il a ton deuxième colis. Du coup, faut que tu recours après le chat. Et pour finir, ah bah en fait, il y a un code à donner. Du coup, faut retourner après le chat. Je vais mourir. Il va vous. Mais pourquoi il est con? Qu'est-ce que tu fais, Polo? Mais pourquoi? Ah, à la rigueur, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de graines, hein, en effet. Hop. J'en ai déjà fait et ça n'a rien donné. Du coup, je sais pas. Je retesterai un peu plus tard. Là, je t'avoue que... je vais peut-être remettre en place le système de nettoyage parce que il va y avoir des morts. On va même en mettre deux, tiens. Tac. Tac. Ah, bordel. Le pire, c'est que cette sale créature, elle se met aux aguets, hein, dès que tu ouvres la porte d'entrée. Ça met le jeu en pause ou... c'est juste qu'ils sont là. Allez. On va nettoyer. Allez. Toi aussi, tu vas nettoyer. Bon, on va nettoyer tout ça. Reburst. J'ai fait mon cardio pour l'année, là.
Alors, est-ce que tout le monde revient de mission? Hop, qui s'y revient victorieuse? Ours revient victorieux lui aussi. Bon, j'aille. Allez, au dodo. Et Kissy aussi. En principe, Kissy, elle a pas besoin de dormir parce qu'elle a une amulette qui fait qu'elle a jamais besoin de dormir. Et d'ailleurs, on va donner cette amulette à celui... à lui. Rien à foutre que tu sois pas content. C'est moi qui commande. Interagir, offrir un cadeau... génère de la dévotion plus rapidement, elle se déplacera plus rapidement, elle récoltera des ressources plus rapidement. Bon, on va mettre déplacer plus rapidement pour le coup. J'ai pas de... Il y a des amulettes, elles sont vraiment très très rares. Celle qui fait que les gens vieillissent deux fois moins vite. J'en ai eu qu'une seule depuis le début du jeu. Après, je sais pas si c'est en rapport avec les zones, genre telle zone, dop, tel truc. Qui en piège de vie, j'en ai eu deux. Parce que je t'en ai donné une. Non, Zephyr, lui, il a une amulette qui l'empêche de dormir. Pas de vieillir. Enfin, qui ralentit pas sa vieillesse, ça l'empêche de dormir. Il dort jamais. C'est pour ça qu'il a tout le temps l'air au bout de sa vie. T'es sûr? Je sais pas si on peut regarder. Dans tous les cas, il nous faut ressusciter... Telos, le précepteur des dieux. Oh, on a un vieux, dites donc. Alors, Telos, t'es où? Hop. Reviens parmi nous, Telos. Et ensuite, il faut qu'on fasse... Ah, c'est ça, t'es con. Bah, des fois, il y a des bugs un peu bizarres au niveau du, des menus qui se loquent un peu. Je crois qu'on a une quête, ouais. Il faut faire une quête où on demande de l'argent. Donner l'argent. En plus, on est maxi nombreux, du coup, voilà le pognon. Du coup, faut remonter le bonheur de tout le monde. On va sacrifier un vieux. J'avoue, Lidou sera le nouveau bourreau à présent. Ah putain, c'est le jeu, il commence à déconner. Putain, il n'y avait pas de soucis au début et j'ai l'impression qu'on commence à avoir des problèmes. Petit à petit. Matpou est mort. Matpou est mort, Zephyrion. Hop. Alors, où qu'il est le vieux? On a vu un vieux. On n'a jamais trop d'adeptes, voyons. Ah, voilà. C'est tout l'une dure. Il aura vécu 54 ans. Puisse-t-il reposer en paix? Matpou, il est mort, je lui ai envoyé une mission où il avait 90%, 95% de chance de réussir, il est revenu, il a raté, il est mort. Ah ouais, non, là, il y a un problème, on dirait que le jeu, il rame, quoi, on a l'impression d'être sur le net. Hop. Oula! D'accord, le jeu vient de planter. Première fois que ça m'arrive. Tu perds la mise à jour. Putain, si le jeu commence à avoir des problèmes comme ça, il y avait rien avant là. Ça fait deux mises à jour et il y a de plus en plus de merde. Putain, j'ai jamais eu ce problème là. J'espère que ça sauvegarde après chaque action, quoi. Hop.
Et du coup, on a 23-17. Il y a eu, on a 46 membres de culte qui sont passés. Bah ça, le confessionnal, après, j'ai fait la mage et ça devait être bon. Oh putain, ça m'a rien sauvegardé, faut tout que je refasse. Chouette. Putain. Allez, on refait tout. Tu vas où toi? Toi tu vas nettoyer, allez! Et du coup je vais lui donner l'amulette qui fait qu'il se déplace deux fois plus vite. Allez, nettoie plus rapidement! Bah, si seulement la saison 2 avait pu être au niveau de la saison 1, ça aurait été cool. Mais comme c'est pas le cas... Hop. Bon, va falloir refaire tout quoi, fait chier. Logiquement, j'ai ramassé quelques plantes, on devrait pouvoir soigner 2-3 personnes. Alors, on va commencer par en bas. Ah bah non. Oh putain, genre ça m'a peut-être même pas compté mon run là? T'es sérieux? Ah bah non, les autres sont pas revenus, du coup ça m'a baisé mon run. Chouette. C'était gratuit. Putain, les bons rollbacks, quoi. J'adore ça, quoi. Allez, tout le monde au lit. Fais chier. Putain, puis les sauvegardes automatiques ont l'air d'être anecdotiques hein, en vrai. Hein. Parce que là, il y a tout un run qui a sauté, quoi. Hop. Allez, boss, au lit. Toi,
au lit aussi. Toi au lit là. Ah, fait chier quoi. On a remis la bouffe. Hop. Hop. On va améliorer. Oh, putain. Je me trompe de touche. J'arriverai jamais à m'y faire. Il faut faire X et après A. Et après X. Alors ce qu'ils auraient pu quand tu mélanges, enfin quand tu changes les touches, tout mettre sur X quoi, mais non. Bon, est-ce qu'on a assez d'os du coup pour ressusciter Telos ou c'est mort? C'est bon, j'ai tout pile. Hop. Ah, quand c'est une toute petite... là ça va, tu vois, c'est pas, j'ai pas perdu genre 2 heures. Mais clairement ça m'est arrivé dans certains jeux où... je joue pendant 4 heures, le jeu plante et ça me fait sauter. Je désinstalle le jeu et il va se faire foutre. Ça, clairement, j'ai aucune pitié là-dessus. Hein. Ça me rend ouf. Hop. Mais bon, là, ça va, c'est une toute... C'est pas une période ultra longue, du coup, ça va. Allez, le retour d'ours. Va ou pieux. Tac, tac. Le retour de Lido. Ah non, c'est qu'ici. Putain, je crois que je confonds les deux. Au dodo. Hop. Hop. Et ensuite, on envoie un vieux au ciel. Ça rendra tout le monde jouasse. Bon, Tolune Dur, tu seras le seul à avoir eu 2 fois l'ascension. C'est parti. Ah, ça y est, ça replante. Ah, génial. Ah, putain, je m'éclate. Ah, par contre, putain, si le jeu il déconne en boucle, là, à cause de... Putain. Salut, Dranctopus. Doucement, doucement, comme d'hab. Et toi, comment vas-tu? Ah, par contre, là, la mise à jour de tout à l'heure a l'air d'avoir défoncé le jeu, quoi. Je peux pas. J'ai jamais eu de soucis, et là, le jeu... c'est un boulon. Le jeu il pète un boulon. Fait chier quoi. Non, on va faire ça. Menu principal est relancé. Hein. Pas trop le choix. Alors, moi c'est cool, il y a plus... il n'y a plus cette nuit, mais là je suis obligé de fermer la fenêtre parce qu'il y a des travaux dehors. Alors, bah, fait chaud, fait chier. Fait chaud, fait chier. Fait chiot. Hop. Enfin, si ça déconne de trop, hein, j'arrêterai là pour aujourd'hui. En principe, il y a une match par jour, quasiment. Mais s'il faut que je relance le jeu à chaque fois que je lançais une action, ça va vite me gaver. Hein. Allez, Tolune Dur, au paradis. Et que ça saute. Et ensuite, il faut faire le rituel du pognon.
En vrai, j'aurais pu lancer le pognon avant. Ah non, mais c'est un enfer ce bâtiment. Je le déteste, mais si fort, bordel. J'en rêve la nuit qu'il s'écroule. Vas-y, même s'il s'écroule sur ma gueule, vas-y, je prends le risque, m'en bats les couilles. Ah bah tiens, la valide, Mouquette. Allez, participe au tirage au sort. Voilà. T'es un petit singe. Et Mouquette, tu vas t'occuper des champs. Ah ouais, non, non, c'est insupportable. Hop là. Ces betteraves. Ici. Ça, c'était pareil. Un truc pour tout fou, tout charger d'un coup, ce serait cool. Bon, on a réussi à redresser la barre de l'Armageddon maladif, si je puis dire. On va faire des petits plats et on va retourner en mission. Tout a l'air bien.